fait, deuxième partie des courses là. On va direction les boissons, les desserts, les petits déj, les kélox, le lait, tout. La totale et les viandes, surtout les viandes. On n'a plus rien à faire. Je suis en train de réfléchir déjà dans ma tête au repas de ce soir là. Il faut bien que je m'active surtout. Bon, ça va, c'est le week-end, mais quand même. Hein? Je suis très très bien, ok ma vie? Tu vas bien, maman? Si, je suis bien. Là, tu vas bien. Mais ouais, regarde, je suis bien. Tu trouves que je suis pas bien? Oui. Pourquoi je suis pas bien? Maman. C'est vrai? Tu trouves que j'ai mal au ventre? Oui. Non, je vais bien. Mais pour être, j'ai une question, ok? J'ai une question, elle va être très claire, parce que vous y avez déjà répondu, mais parfois oui, parfois non. L'alcool, dans tout ce qui est brioche et tout, vu que ça a cuit, apparemment, il y a des divergences, et ils disent que vu que ça a cuit, ça s'est évaporé dans la cuisson. Vrai ou faux? Des petits promos qui me plaisent bien. Après, oui, après Alan, il se plaint, il me dit... Okay. On y va. Et c'est qui décide? Non, pas moi. C'est quoi? C'est moi. Non, c'est moi. Non. C'est moi qui commande ici. Hein. Moi. C'est moi qui t'a mis au monde. Non. Bien, les filles, une petite promo sur les desserts de Baloulou. Les brassés. Trop, trop bien. Je vais en prendre plusieurs, mon amour. J'en ai pas à la maison. Non, t'as Il y en a chez Oumu, mais pas chez nous. Non. Pourquoi? À la maison. À la maison? Oui. Quoi d'autre? Il manque quoi à la maison là? Tu parles hein? Anna boit que de l'eau maintenant, elle aime trop la grenadine, je vais lui prendre, comme ça je lui mettrai des petites gouttes les filles. En fait, je me retrouve face à un gros problème. Ce caddie, il n'est pas adaptable avec les cosy, du coup je suis obligée de mettre Thalys dedans. Et il y a déjà plus de place dans le cosy. Et j'aurais dû prendre le porte-bébé, mais ça fait tellement mal au dos, les poupettes, c'est trop. Anna, elle est encerclée de course, mes poupettes. Ma pistolage, j'en ai fait. Et en fait, j'ai pris ça pour Anna, des petites pâtes alphabet comme ça. Je sais pas si ça se cuisine genre comme ça, avec du beurre, normalement. Oui, bah je suppose, mais ça se mange comme ça, les filles, parce que moi, je les aurais pris pour un truc comme ça, quoi. Non, c'est trop bon, ça, les filles, je vous jure, c'est mieux que les flancs, mieux que les maisons, les filles, ça passe tout. En fait, je comprends tellement, c'est les meilleurs. Regardez, le rayon est presque vide. Papa, il aime quoi? C'est toi qui le connais bien. On n'a jamais pris ça. Réfléchis. Regarde bien les gâteaux que papa il aime. Allez ma vie. Dire que les Kellogg's à New York, ils étaient genre à 13$ et tout. Quand je vois les prix en France, je suis bien contente genre. 13$ les Kellogg's, les filles, c'était hyper cher. Qu'elle fait cette chipie là? Toute la boucherie elle est fermée. Donc un plat avec du saumon. Ah, Alan n'aime pas le saumon, je vais faire le saumon pour nous et je vais faire des cordons bleus là, Hélène, pour lui. Je vais prendre faire ça. Je sais pas ce que je vais faire encore, il y a plein de trucs. Voilà, on a fini les courses de justesse. Avec un caddie très manqué. Oh. Avec un caddie à mon image. Poupette à la caisse, les filles, ça fait toujours trop plaisir de vous voir à chaque fois. Pas espérer mieux de ma petite fille, hein. Travail d'équipe. Hein. On a fini les courses, mes poupettes, ça y est, on a fait toutes les courses. Bon, les viandes, c'est fermé. Donc on passera la prochaine fois, Inch'Allah, les filles, c'est pas grave. Un objectif par contre, et elle arrive, les filles, la migraine. Au cas où, ah, ma poupette, elle m'avait laissé médicaments ici pour la migraine. Mais je crois qu'elle les a tous pris pour les dents. Elle arrive là, je le sens. Petit bobo pour ma vie, les filles. Ah, ferme pas la main. Non, ne ferme pas la main. Laisse-la respirer. Laisse-la. Avec le caddie, les filles, fallait bien qu'il y ait quelque chose qui arrive. Tout est parfait. C'est bon, elle laisse-la. Par contre, je sais pas, il y a un bleu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que... Mets ta main comme ça, à plat, ma vie. Mets ta main à plat. Comme ça. Non, de l'autre côté, comme ça. Voilà. Regardez, mes poupettes, c'est écorché, mais en même temps, il y a un gros bleu au milieu. Qu'est-ce que je fais? C'est bon, ma fille, ça va aller, mon amour. Oh, j'ai une migraine. Les deux, ils pleurent. Calice, il vient de se réveiller. C'est Anna, c'est Féman. C'est catastrophique, là. La fin des courses est dramatique, mes poupettes. C'est bon. Oui. Ça te fait mal? C'est bon, ma vie. On rentre, je te mets de l'eau froide. Là. Tu veux que je fasse quoi là tout de suite au milieu de la route, mon bébé? Oh l'horreur. Oui, de l'eau. Oui. L'horreur. Mon amour, ça y est. Oui, je rentre à la maison, je fais vite, on met de l'eau sur le doigt. En fait, les filles, le caddie, elle le tenait à la main et il a foncé le caddie.
sur. En fait, j'y avais pas. En fait, comment expliquer? Il était trop lourd pour moi, le caddie. Donc, c'était en pente, il est descendu. Et il a foncé sur un poteau. Et quand il a foncé sur un poteau, ça a frotté sa main. Et il y a un bleu, donc ça me fait un peu peur. Pleurer, calme-toi. Je regarde, j'analyse. Maman te dit si c'est grave ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les... Alors, viens, quand je regarde la lumière. Ah ouais, il est gonflé ton doigt. Ah oui! Un peu gonflé, je sais pas. Mais non, mais c'est Anna, maman. C'est pas parce que maman parle que tu pleures, ma vie. Pas, je regarde mon arbre. Doucement, maman, ne touche pas ma vie. Je crois qu'il est gonflé, les filles. Le doigt sous l'eau, et en pleurant, elle s'est fait pipi dessus. Je dois la changer. Je dois monter les courses qui sont dans la voiture parce qu'elles sont encore en bas. J'ai Calice qui pleure. Regardez, je le pose. Regardez. Les filles, j'étais obligée de lui donner ça, même si on va manger, on va passer à la table et tout. Il n'y avait pas le choix là. Franchement, là, il était en crise totale. Ok, le doigt, c'est Anna, va mieux. Baloulou, il commence à se calmer. Là, les filles, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le repas. Et pendant que ça cuit, je vais ranger les courses. Là, c'est une organisation. Les filles, c'est une organisation. Ouh, ça te fait oublier tes soucis, ça. Les trucs comme ça, là, la course, là. Je vais faire, du coup, les filles, je vais faire pommes de terre grenaille, mes poupettes. J'en ai acheté avec du saumon. Voilà ce que je vais faire. Et je ferai cordon bleu pour Alan après. Donc, alors. J'hésite à faire de la salade ou pas. J'ai pas envie d'utiliser toutes mes courses maintenant, mais alors. Ça va mieux, ma vie? Encore? Ouais. Allez, mes poupettes, go, 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 go. Là, de la rapidité, ça, les filles, incroyable. Heureusement que ça cuit vite, les filles, parce que sinon... Bon, pas déconner quand même. Le calme est revenu à la maison, ça va mieux. Je suis en train de terminer le repas. Bah oui, voilà, parce que vous me stressez. Parce que tu me stresses avec tes cris, parce que Calice aussi, vous me stressez. Donc je me brûle et je fais n'importe quoi, voilà. Aïe. Non, c'est pas grave, mais alors tu manges le repas si tu veux que je sois contente. Bah sinon je vais pas guérir. Hein. Le repas, les filets presque prêts. Hop, on manquera les courses bien évidemment. Comme ça? Et voilà. Accélérer les cuissons, mes poupettes, mettez un peu d'eau. Mmh. Loulou, il a retrouvé les places. Maman, les filles, il est trop content. Mais ça va. Il n'y avait que quelques-unes qui étaient brûlées. Donc là, les filles, aujourd'hui, c'est moi qui fais manger, c'est Anna. Parce qu'elle a DJ la main droite. Maman doit la faire manger parce que celle-là ne peut pas manger la main gauche. De l'eau pour ta main? Ouais. Bah, il faut que tu manges. Ah, tu trembles pendant que tu manges? Ouais. Ok. Je te fais manger? Ouais. Maman, je te connais par cœur. C'est bon? Maman,